Je vous présente Élie. Il a congé d'école aujourd'hui et passe la journée au centre communautaire Drummondville-Sud. Qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Encore! Ta main est tout seul chez nous. Comment rester tout seul chez toi? Est-ce que t'aimes ça? Oui. Demain, Élie fêtera ses 14 ans. L'été prochain, ses parents comptaient l'inscrire au camp de jour ici parce qu'il a adoré son expérience l'an passé. Imprimer des dessins avec ma belle Nathalie. Faire imprimer des dessins avec moi? Oui. Puis quoi d'autre que t'aimes faire au camp de jour? Faire des blagues. Sauf que le service pour les adolescents handicapés est en péril. La ville de Drummondville coupe le financement pour les enfants de 13 ans et plus. Ici, ça touche une trentaine de familles. Du côté de la ville de Drummondville, il n'y avait personne aujourd'hui disponible pour répondre à nos questions. C'est 80 000 $ que le centre communautaire de Drummondville-Sud doit maintenant trouver. Pour l'instant, on est dans le néant. On ne sait pas si ça va être le gouvernement qui va nous donner un coup de main. Est-ce que ça va être la ville qui va décider d'avoir une autre enveloppe budgétaire? Est-ce que ça va être le CIUS? Est-ce que ça va être au niveau du ministère de la Famille, le ministère du Loisir? On ne le sait pas. Mais ça presse. C'est ça. Il y a un cri de cœur en ce moment. Autant les parents sont alarmés parce que l'été 2025 s'en vient quand même assez rapidement. Une campagne de financement est aussi lancée pour sauver le camp de jour. Je trouve qu'on les met de côté. Puis nous, ici, à Drummondville-Sud, c'est une de nos missions qui nous tient énormément à cœur. On veut leur donner une place ici. On a des enfants qui sont venus au camp de jour, que maintenant, ils travaillent ici. Donc, pour nous autres, c'est une fierté, puis c'est important de maintenir ce service-là. Une de ses ex-utilisatrices devenue employée, c'est Coralie. Je suis aide-cuisinière, dans le fond, je fais des salades, je fais des crudités, je fais la vaisselle, je fais du yoga, je fais plein d'affaires, puis j'aide ma collègue Liz. Je te vois, t'as le sourire au travail, t'aimes ça? Oui, j'aime vraiment ça. Elle invite la communauté à se mobiliser. C'est important pour des personnes comme moi, qui peuvent pas tout le temps être avec leurs parents, puis comme pour les parents, c'est vraiment éprouvant, fait que ça leur fait un moment de répit, puis comme c'est vraiment important. Là. Le financement doit être bouclé au plus tard en février prochain.